Bonsoir, me revoilà, moi 18-12-1999, pour une toute nouvelle vidéo. Alors, avant de la commencer, cette vidéo marche seulement pour les personnes qui auraient un porte-monnaie pour les bitcoins. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en créer un. Donc, je vais vous montrer comment faire. Voilà. Il y aura tous les liens dans la description. Juste le temps que ça charge. En ce moment, mon PC a du mal. Voilà. Et donc, moi, j'en ai pris un dans le web et c'est Hive. Voilà. Donc, son interface ressemble à ça. Pour l'instant, je n'ai rien gagné. J'ai commencé ça il y a, allez, on va dire 3 jours. Et donc, je vais vous montrer comment gagner gratuitement. Alors, au niveau des cours, pour l'instant, on est environ pour un Bitcoin, donc un BTC, est égal à environ 240 $. Voilà. Donc après, bien sûr, j'ai retrouvé aussi un site qui permet de transformer vos... Où est-ce qu'il est? J'en ai pas mal. Il n'est pas plus bas que ça. Non. Normalement, en tout cas, j'avais trouvé un site qui permettait de transformer les bitcoins dans vos bitcoins sur PayPal, donc les transformer en euros. Donc, bien sûr, on a déjà 1 dollar n'est pas égal à 1 euro. Hein, sachez qu'un dollar, c'est moins d'un euro. Voilà. Donc, pareil, il y aura aussi un lien dans la description. Donc, ils prennent seulement 1% de ce qu'on envoie. Donc, ça vaut le coup. Voilà. Voilà. Donc, non, même pas. Le taux d'échange pour l'instant de 1 Bitcoin, c'est 259,43 $. Donc, on va commencer par le premier site, qui est l'un des plus rémunérateurs, en tout cas, que j'ai pu trouver. Donc, il est juste là. Donc, Moonbyte. .co.in. Voilà, donc oui, ça fait 3 jours pareil que je suis dessus, et donc voilà, en 2 minutes, on va dire en 3 minutes, j'ai déjà gagné 67 chat satoshi, sachant que un satoshi est égal à, alors attendez, parce que ça c'est marqué sur un site, ah bah ça je vous le donnerai juste après. Mais bon, il me semble qu'il en faut 700 pour faire 0,01 Bitcoin. Donc, ce qui fait quand même déjà rien que 2 dollars. Donc, ça va quand même assez vite. Voilà. Donc, juste petite information. Si on regarde un peu plus bas dans le site. Alors oui, c'est aussi un site, faut obligatoirement désactiver votre adblocker, sinon vous ne pouvez pas récupérer votre argent. Ils sont les taux. Alors, voilà. Voilà, donc vous voyez que pour 5 minutes, on gagne 109 satoshis. Et au bout de 10 minutes, on n'en gagne que 197. Alors le mieux, c'est de réclamer votre somme toutes les 5 minutes. Moi, c'est ce que je fais en tout cas. C'est pour gagner un maximum. Et bien sûr, vous pouvez le laisser. Il n'y a pas besoin d'être sur le site, donc vous pouvez le laisser tourner pendant toute une nuit et votre ordinateur éteint. Donc ça, c'était donc le premier site. On va se diriger vers le deuxième, que je vais faire recharger. Je remets la capture d'écran juste une fois qu'elle aura chargé. À tout de suite. Et donc me revoilà, la page en train de charger. Donc ce coup-ci, donc en fait pareil, donc on est obligé de désactiver son adblocker si on en a un. Et donc ce coup-ci, c'est une autre sorte de site qui va vous proposer toutes les 15 minutes de, on va dire, lancer les dés. Et en fonction du nombre que ça a donné,
on va gagner dans de Satoshi. Donc, voilà. Excusez-moi si je le prononce mal. Je tombe presque tout le temps dessus. Une seule fois, je suis tombé là-dessus. Ce qui est quand même pas mal. Le paiement ce coup-ci, comparé à l'autre, il faut pas 5500 satoshis qui s'atteint, on va dire, assez rapidement. En une journée, vous pouvez les atteindre. Ici, il en faut 25 000. Ouais, mais ça monte assez vite. Vous voyez. Tomber deux fois dessus et deux, trois fois dessus, c'est bon. Alors, quand le site marche, toutes les 15 minutes, ils vont vous proposer de lancer les dés. Donc, pour ce faire, il y aura un captcha à faire. Voilà. Sandwich. Donc, c'est comme ça. Donc, voilà. Pas fait de faute. Si. Voilà. Ça tapait trop vite. Et donc, après, une fois que vous aurez fait ça, soit vous descendez en bas de la page. Et vous cliquez sur le bouton qui est là. Je ne sais pas pourquoi maintenant il est là. Soit vous appuyez sur Entrée. Voilà. Les dés se lancent. Vous m'avez pas porté chance. Voilà. Donc j'ai fait un score de 5597. Et donc du coup j'en ai gagné 183. Et on peut le faire toutes les 15 minutes. Et donc le troisième site qui se trouve juste ici. Qui donne vraiment. Mais c'est déjà ça. Donc ici on met son adresse Bitcoin hein, qui est donc trouvable. On va juste en haut ici. Il est là. Donc pareil, un petit captcha à faire. 6, 3, 7. On appuie sur entrer ou soumettre. C'est le choix. Et je me suis bourré. Je recommence. Voilà. Et quand ça veut bien marcher, on en gagne 20, il me semble. C'est peu. Mais c'est déjà ça. Voilà. C'est plutôt sympathique. Et c'est seulement toutes les 30 minutes. Et je vais vous le prouver tout de suite. Voilà. J'ai déjà fait le test. Voilà. Il nous demande d'attendre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et donc, dernière petite information que je souhaite faire passer, le groupe InfoWeb a dès maintenant son application téléchargeable à partir de leur site web. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, je crois que c'est là. Alors, ça. Voilà. Donc l'application n'est pas pour l'instant sur le Play Store. Je ne sais pas si elle y sera. En tout cas, il y aura les informations, enfin le lien de téléchargement est sur le site. Voilà. Donc moi en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et voilà, le site d'entrée s'affiche sous nos yeux. La pub du vire. Donc ici, on n'est pas obligé de laisser son adblocker désactivé. Mais voilà. Et donc voilà, tiens, le lien de téléchargement de l'application est juste ici. Voilà. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus tout le monde.